Bam. Oui, oui, les geeks du web, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Déjà, ça commence bien, moi, c'est un jeu de merde. Oye oye les chevaliers, les vikings du web, c'est Gargorlord, votre youtubeur le plus démonétisé de la galaxie. Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Mordo, en compagnie de Morgrim. Et d'un invité d'honneur, j'ai nommé Elstruif. Ça, c'est du viking en armure lourde. T'as pas fait ton personnage? Non, je ne l'ai pas créé, mon personnage, à proprement parler. Il est moche, faut mieux pas le voir, il est encore en slip et en maillot de bain. Avec le string comme fronde. Mon cher Dargor, que faisons-nous aujourd'hui? Eh ben, nous allons t'apprendre à bien farmer de la horde, mon gars. Il n'y a pas que la technique de la tourelle, attention. Morgrim a... en plus, c'est toi qui l'as créé, cette technique. A trouvé une astuce super spéciale pour bâcler la horde en 20 minutes. Que, ouais, tu veux dire que nous sommes sur un tuto Mordo? Oui, on part sur un tuto Mordo. Je lance direct le search rosbifien. On va dire ça, tu vas être... Bah écoute, la dernière fois, ils nous ont bien traité de baguette, les enfoirés. C'est vrai. Ah, d'habitude, ils nous font de l'omelette. Ouais, aussi il y avait baguette. Ouais, t'avais répondu quoi? Parce qu'on est tombé sur une équipe de branleurs, là. Ils étaient tous les trois sur une estrade, et je leur ai dit, les branleurs, vous descendez, et ils me sortent comme ça. Oui, bien sûr, baguette, omelette. Sinon, moi, j'aime le roast beef saignant. Comme ça, avec ma baguette bien fraîche, j'esponge la sauce. Bon, là, je vous dis, là, à grade, on va mourir. Hein. Juste pour s'échauffer, on y va, on va mourir très rapidement, parce qu'on connaît pas la map. Ah, je suis map. Ah non, c'est bon, je suis en partie. Il y a un roast beef qui frappe le mur. Help! Dargor! T'as eu le temps de charger? Tu m'avais dit que ça serait positif. Oui, mais je te l'ai dit, là on est à grade, donc on va tous crever, hein, et après on vote tous pour le camp. Rien à foutre. Personne en rentre. Oh le salaud, comment qu'il me troll. Oh là là. Exactement. C'est tout à fait, comme je disais, on va tous crever. Alors évidemment, les mobs sur ce jeu sont over méga cheatés, et encore, c'est pas fini, hein, parce qu'ils vont continuer à le cheater, ces enculés. Mais il faut avoir du style dans ce jeu, c'est dingue. Je prends des petits cailloux. Alors je rappelle que Elstruif, c'est Joe Machiavel. Oui, absolument. Voilà. Oui, excusez-moi, c'est pour le roleplay, voilà, je suis désolé. Ah oh, oui, d'accord. Bien, formidable. Voilà, ça c'est bon. Toc. Oh, ça c'est bon. Oh la pelle. Oh, ça c'est bon. Tiens, ça c'est bon aussi. Aïe, je me suis fait pelleter le cul. Tiens, connard. Eh, Zubi. Tiens, oh. Mais, il va me troller celui-là. Oh putain. Le tank qui t'encule. Et moi, je suis en train de leur foutre des hachettes dans le cul. L'astuce, c'est tu vas au point. Jusqu'à arriver à 90 points ou pièces d'or, je crois. Et quand t'es à 90, tu prends la faux. Ouais, c'est pas faux. Et alors, quand t'as la faux, mais alors là, tu te défourailles. Hein. Morgrim ! Oui ! Aide-moi ! Il est où ? Il est là. Viens là, toi. Voilà. Your skull is even soft. Ah ! Oh, j'ai fait une boulette. Oh ! Bon, là, si on se met tous les deux, là, on va pas y arriver. Oh, putain. Voilà. Ah, il y a des mobs, c'est des mobs trolls, quoi. Hein. Mais totalement ça. Oh, l'archer. Oh! Il y a un groupe de paysans vers vous, Dargor et Morgrim. Elle, je vois pas de ce que tu parles. Putain, on se défonce en même temps, quoi. Non, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts alliés. Ils veulent les mettre, remarque, il me semble. Ah ouais? Ouais. Oh, les enculés. Ah bah, normal.
Ouais, bah ils ont qu'à les mettre sur les mobs déjà, les dégâler avant de parler, ah, enfoiré. Aïe! Ah. Je suis cassé, j'ai plus de piles. Ce sera toujours sans protection. Ouais. Tu rentres là et c'est là. T'as les trois ici. Oh! Ah, ils arrivent au château. Les paysans, messire. Ils s'attaquent. La porte a sauté! Putain, il m'a tête. Tranquille, one shot quoi. Bon, il faut dire que j'ai pas d'équipement de tête. Bon, pour l'instant, essayons de chercher les pélons parce que les pélons. Ouais, cherche les pélons. Oui. C'est quoi ça? Fauchage. Bombe de feu, hache de lancer. Épée longue! La première baraque! La première baraque à l'entrée du château! Laquelle? Tu vois où sont les bombes de feu? Non! La hache de lancer? Non plus! Bah démerde-toi! Tout droit! Ah mais non, mais il y a des dégâts en fait! Des dégâts? Oui, on peut se mettre des dégâts! Non! Non! Si! En tombant, oui. Sir Barbarian m'en a mis là. Non, lui, il bouge plus. Réflexe. Bah non. Bah non. Oh. Ah mais là, j'ai fait vraiment le Jedi là. Oh Jedi. Oh mais bien sûr, évidemment. Ah, ah ça me ra. Ah. Je te l'ai arrêté celui-là. Attention. Ah putain, il y a un archer pas loin. Ah, il est bon moi l'archer. Ouh là là, je me fais gangbang là. Allez, vous y arriver. Oh putain. Je sais pas comment je fais pour pour survivre, mais je survive. Oh putain, mais comment je l'ai pas touché là? Bah alors, le but du jeu, tu vas au point au début, quand tu arrives à 90 pièces, tu prends la faux, tu défourailles. Après, tu peux te stuff un petit peu en léger. Après, moi, ce que je fais, c'est que je prends aussi l'épée longue quand ça commence à être un peu plus équipé d'en face, quoi. Et après, on prend la boîte à outils et on se pose, on met des pics un peu partout. Enfin, là où on est. Et on balance, on met les balistes et on défouraille. C'est du tir au pigeon après. Alors, le tuto, monsieur Morgan, nous vous en écoutons. Le tuto ce soir, Maryse. Mais enfin, monsieur Dargor a déjà fait le tuto! Monsieur Dargor, nous écoutons tuto tour, c'est ça? Ben non, pas tuto tour. Il a pas écouté, bordel! Il n'a pas écouté! Il n'a pas écouté! Oh de Dieu! Mauvais élève, tiens! Monsieur Dargor, je ne suis pas d'accord. Donc c'est la faute, c'est tout! C'est la faute, moi j'ai trouvé un autre investissement qui est pas mal, mais après c'est suivant les goûts de chacun. Moi j'en attaque au fauchon, à 80 au lieu de 90. Ça fait tout aussi mal, c'est juste moins de portée. Mais tu peux le garder un peu plus longtemps. Parce que le problème de la faute, c'est que, justement, comme on a dit, il y a un moment où ils sont trop blindés, et ça fait vraiment plus de dégâts du tout, la faute, ça fait rien. Oh. Hey, j'appelle. Voilà, celui-ci compte pour moi. Bon, donc qu'est-ce que je prends comme arme là, conseillez-moi, messieurs. Bah, je te l'ai dit, il faut attendre à 90. Ou alors, si tu te sens pas, prends la houe. Là, toujours une solution, si t'as besoin vraiment d'une arme au début. Ouais, j'ai un trouille. Oh, Assassin Creed. La houe, c'est vraiment quand tu te sens pas bien au point, tu peux la prendre dès le début, elle coûte que 15. Mais ça fait toujours une arme de départ. Oh. Mais comment? Tiens, dans ta bouche! Bah alors! Je suis trop entreprenant, Dark. Allez, je suis à 90, je vais aller chercher la faux. À la charrette, là, ici. Voilà. Non, 27. Parfait. La strat de la faux. Alors, le but du jeu, c'est pas se retrouver au milieu, hein, évidemment. Évidemment. C'est comme dans Conqueror's Blade, si tu te retrouves au milieu, t'es mort. Bon, qui sont? Ils ont des problèmes, moi. Ils sont là! Tiens, allez! Qu'est-ce que tu veux là? Oh, j'en ai tué un sans faire gaffe! Alors, moi je fous le froc et le torse. Ouais. Et vu que je veux garder la gueule à la Gérald de Rive, je reste comme ça. Putain, pour la série Netflix. Mais il va dégager le roast beef, merde! Moi je dis Dargor en Gérald de Rive.
ton ouais, t'es en blanc, ça devrait bien. J'ai déjà, une tache blanche derrière la tête, donc ça devrait le faire. Ouais, bah justement, on va finir un peu. Paf, allez. The Pouille, 115, ouais, on peut prendre l'épée longue, je crois, 115. Non, 150. Ah, 150, merde. 115, tu peux prendre la bâtarde, à la limite. La belle bâtarde. La belle bâtarde. Tiens, voilà. Mais non. Tiens, voilà. 3x3, messieurs, 3x3. Oh, putain, entre les perches. Oh, mais putain, en plus, si je me fais... Oh, je me suis fait flécher. Voilà. Robin des Bois là-bas. Non, vous avez pas droit, vous avez pas droit. Pas droit. Ah bah si t'aimes saute. Oh putain de dieu. Oh non, mais comment la longe de merde. Mais non. Ah oui, non, mais je te dis, mais ces bottes là, c'est pas du Mutant Blade, hein. Ils sont overcheatés, ces cons là. Hein. Et quand tu vois que les développeurs veulent les cheater encore plus, tu te dis, non, mais ça va pas ou quoi. C'est l'invasion des IA, c'est pas possible. Ah ouais, c'est là. Ça, c'est l'invasion des IA. Hein. En fait, le but du jeu là, ça va être d'avoir assez de points pour mettre des pics. Je vais en mettre une contre la porte, et en fait, avant d'ouvrir la porte, ils vont se prendre des pics. Donc le but c'est vraiment de barricader l'endroit, il y a que t'as vu. Non mais t'as vu là. Ah non mais je te jure c'est ils sont méga. Mais ça me tue ça. Les bots de ce jeu sont contrôlés par Skynet quoi, c'est pas croyable. Allez, coup de pied stock, Parce que je les ai remis des coups de pied, ils ont pas le temps. Coup de pied stock. T'as combien de points, Tu as 243. Ah pas loin, t'aurais pu avoir une boîte à outils pour mettre des pics. Bah fais comme tu veux, prends l'arc. Ouais, je vais prendre l'arc, je vais mieux m'en sortir, honnêtement. Moi je vais me faire tuer et puis quand j'aurai assez de points, je prends la boîte à outils. Je vais me faire tuer. Ah bah ouais, hein, de toute façon, tu peux faire que ça, hein, quand tu joues contre Skynet, hein. Forcément. Pardonnez mon incultisme, mais Skynet c'est quoi? C'est dans Terminator? Ouais, c'est oui, Terminator. C'est Terminator. Ah putain, mais regarde, voilà, qu'est-ce que je disais, Skynet! Bordel de merde! Ah, Elsrif avec la bonne vieille méthode de la tourelle. Oui, bah on fait comme on peut, hein. Tant que c'est pas le syndrome de la tourette. Ah. T'as vu la. Ah oh l'enculé, t'as fermé la porte au nez. Ah, oh, j'y crois pas, le Rosevius de merde. Oh, il se prend dessus. Attention, te tords pas la cheville, sinon tu meurs. Bon, 244. Oh non, les enculés, homme. Bon, je retourne mourir. Putain, mais je peux rien faire, quoi, merde. À part peut-être prendre le maillet, limite, mais. Ouais, vas-y, je peux prendre. Après, j'ai une idée, attends. Je peux prendre le maillot en bois. On va faire un truc, tu vas voir. Mmh. Alors, à savoir qu'on peut poser que 6 pics. Hein. Ah, merci. Tu vas la remplir par contre. Ah, oui, merci. Ah, oui, mais sur Jacques cours. Bah, ça t'économise 250 points pour l'acheter déjà. Et comme ça, tu peux mettre ta balise. Voilà. Hey. Il peut mettre le morgue quand il veut. Ils arrivent plus. Oh bah ça va, ils sont déjà tous morts. Bah ouais. Ils étaient pas beaucoup, ils étaient genre 18. T'approches pas de lui par contre, sinon tu vas avoir des problèmes. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est bon. Tout est prêt pour te présenter la technique secrète. Pas très secrète. Pas très secrète. Je vais me mettre dans une tour et j'arrive, monsieur. Bon, faut juste pas se faire poursuivre et rentrer par là, sinon on est mort. Ah ouais. Parce que d'eux-mêmes, ils viendront pas, ils traceront tout droit, ils feront pas le tour en fait. Par contre, s'ils suivent quelqu'un, ils feront le tour. Je me tiens dans le cul. Tiens dans le cul, toi, enfoiré. Tiens là. Permettez qu'avec mon modeste arc. Ouais, c'est enfoiré de joueur en plein milieu là, putain. Je me tire que dans le cul à lui, quoi. Moi je tire dans le rocher là-bas, moi je suis tranquille, je sais pas toucher. Oh j'ai eu. Ah moi aussi j'ai plus de vie. Tiens Elstrif, si tu veux je te laisse la boîte à outils. Hop. Et je peux faire quoi avec? Alors après tu peux faire des pics. Tu peux avoir des munitions, donc les munitions. Tiens, suis-moi. Les munitions sont ici. Après tu peux te faire une baliste et des pics. Avec R tu peux changer, donc tu peux passer du mur au pic et du pic à la baliste et ainsi de suite. Voilà, tu la mets à côté des nôtres. Oh le con. Faut pas foncer dans les pics. Hein. Oh, bah,
T'as été baptisé, tout le monde y est passé. Il est des nôtres. Il s'est mangé les pics comme nous autres. Oh putain, mais c'est MDR. Ah, Sir Barbarian vous remercie. J'adore la défense. Ah bah ouais. La première fois que j'ai refait ce truc, j'étais tout seul et les mecs, ils étaient tous les quatre dans la tour là-bas. Ouais. Et il me dit, ouais, à un moment donné, le mec, il me dit, ah putain, tu sers à rien, tout ça, t'es pas avec nous, tu restes dans ton coin, va te faire foutre, machin. Non, moi, j'ai rien dit, je continue de préparer ma défense jusqu'à ce que finissent les 5 pics et la baliste. Il meurt, celui qui m'a insulté, et du coup, avec la caméra, il vient me voir. Et donc, 5 minutes après, quand j'ai sauvé la vague, évidemment, il me fait 3 petits points. Mec, je suis tellement désolé, t'es un génie. Et donc, c'est toi qui as créé ça, en fait? Ah non, je l'ai pas créé, j'ai vu quelqu'un commencer à le faire, mais il a pas eu le temps. Quoi, ici, ou t'as pas eu l'idée quand on avait l'autre con qui avait fait les pics pour tuer le mol, là? Quand on l'avait vu en vidéo. Ouais, ouais. Ah, bien! Bien! Ah ouais? Bien! T'es pas con, Jean-Paul! Il est pas con, Jean-Paul! Regarde-là, comment il s'en fout pas, les gars, comment faire! Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une place forte? Bon, Henri, maintenant il faut déposer le brevet. Alors, messieurs, ils arrivent sur vous là. Oh, ouais. J'ai toujours rêvé de tester un truc. Bon, je veux tenter le lancer de pommeau dans la gueule d'un peuple. T'as suivi au rocher si tu veux pour essayer. Ah, parfait, j'essaye. Ah, il est au rocher, attention, on observe. Caméra 1, action! Ça fait un dégât, ça sert à rien. On peut en mettre 6 normalement, hein, des pics. Hop. Attendez, je vais en rajouter 2, des pics. 3, 6ème par là. Là. C'était pas une super bonne idée ta baliste là, tu vas être gêné par l'arbre. Mais non, t'inquiète pas. Parce que c'est ceux qui arrivent sur le rocher, qui sont bloqués sur le rocher, je sais pas. En fait, moi j'ai été gêné par là, je peux pas viser là-bas. Oh putain! Comme ça j'attaque en biais. Oh, j'ai déjà plus de. Il y en a beaucoup! Ouais, bah tu parles, ils sont tous avec nous, du coup tout le monde arrive. Ah ouais. Ça va, il y en a plus beaucoup. Le must c'est quand il y a au moins un rose pif qui reste dans la tourelle. Pour disperser ouais, un peu les mobs. Quand en fait, faut acheter le marteau, c'est ça? Ouais, moi, le maillet. Ouais. J'ai découvert que les armes. Type la hache, la dernière qu'ils ont rajouté là, qui est toutes les armes qui ont un côté marteau en fait, peuvent réparer aussi. On a tiré tous les rosebifs, bordel. N'oublie pas, Elsif, c'est à droit à 6 pics. 6 constructions, 7 constructions en fait. Ouais. D'accord. Ah, on est en équipe ou pas là hein? Ah bah, mais tiens. Ah, je prends des dégâts pour rien là. Ah, c'est des bouses. Ah ouais, c'est les bouses nucléaires, ouais. C'est pour ça que la technique de la tour elle est plus viable et que j'ai cherché les alternatives. Ouais. Putain, non, il me pète mes pics, enfoiré. Y'a des géants. Ah ouais, par contre les géants ça roule sur les pics. Hein. Bah oui, casse-le. Ouais, parce que franchement, j'ai du mal à viser après. Ah, c'est mon pic qui gêne, c'est ça? Ouais. Oh. Pardon. Non. Putain, tes pics ils ont disparu là. Ça m'épique. Ah, quand tu crèves, tu perds tous tes trucs, on dirait. Ah ouais, même ta baliste, elle est morte. Pardon. Ouais. Oh, derrière, ça passe. Oh. Tu me dis si t'arrives à les gérer. Oh, c'est bon. Il était tout seul. Je vais remettre des pics là. Attends, tu mets contre la porte, en fait. Tu mets sur le chemin en terre le plus près possible de la porte. Comme ça, ils peuvent pas taper dans la porte, ils se prendront les pics avant, tu comprends? Ouais, c'est parti. Ouais, pour le moment, ça se passe bien pour nous, les gars. Ouais, bien. Je te dis, avec ton méthode, en 20 minutes, c'est bâclé, hein. Oh la vache. Oh, je vais éclater le crâne à sueur. Comme j'ai dit, la 400, maintenant, tu peux attaquer au torse lourd. Mais ça va être trop tard pour y aller. Non, j'y vais quand même si je dois mourir. Ah bah oui, là, tu vas mourir, oui. Le torse lourd, il est dans le camp d'en face. Tu vas jusqu'au camp d'en face. Tu rentres dans le camp d'en face. Et tu suis la palissade en bois pour passer de l'autre côté, le torse il est contre la palissade en bois. Tu meurs pas avant, là j'ai l'impression que c'est bien parti.
Bonjour. Aïe. Ah, foiré, va. Aïe. Déconne pas, il y a les archers. Gnome. Ah, c'est bonne vie. Messieurs, ouais. messieurs, je vais vous en relaisser ici. Désolé, je vais devoir y aller. Ça marche. Mais quoi maintenant? Bah, il reste juste une vague. Il reste juste une vague. T'as fini. Tu vas avoir toutes les récompenses. Ah ouais. On va voir ici. Je vais voir avec. Juste l'affaire de 5 minutes et c'est bon. Ok, on y prend. Oh, me fait sucer par Morgrim. C'est le débarquement de Normandie, aussi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est clair, hein. Mais je crois que c'était pareil, hein. Honnêtement. Oui, je pense que c'était un peu comme ça. Ce serait bête, à la dernière vague partir, ouais. T'aurais pas tes récompenses, quoi. Si ça avait été du frontline, enfin du PVP, j'aurais compris, parce que tu gagnes pas grand chose. Mais... Il n'en reste plus qu'un. Je parie que c'est le boss, non? Non. C'est le Gargor. Non. C'est un géant, ça, à tous les coups. Il est trop lent pour ah que ce ouais, soit... Ouais. Ouais, je confirme, c'est un géant. Et là, il nous tue tous. Ah, c'est pas impossible, hein. Oh, il a perdu son club. Oh, il a coupé les mains. Oh là là, sur cette victoire magnifique, messieurs. Alors, 1030. Eh, 920. Pas mal, bien joué. Ouais. Le mec, il a dit dans le chat, j'ai jamais été aussi rapide sur une game. Tu m'étonnes. On s'arrête là? Ouais, grâce c'est à la meilleure technique du tuto de Dargor, merveilleux, des kékettes bleues. Oui. Ah oui. Et voilà, on voit avec mon Gérald de Rive, là. Et le sergent Morgrim. Bon, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se redit à une prochaine vidéo. Kékettes bleues. Faites des dons, kékettes bleues. Ouais, faites des dons, surtout. Faites des dons. Je m'entraîne pour Twitch, je dis tout le temps, faites des dons. Des dons et des subs. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera pas démonétisée, hein, merde. Bah, en espérant qu'elle soit pas démonétisée, mais dedans, t'as un viking, donc ça devrait aller, normalement. Oui, ça devrait aller. Bon. Surtout que, bon, j'étais pas, super en forme, donc je disais pas grand-chose. Bah, ouais, moi, j'ai essayé de pas dire trop de gros mots. J'y vais, messieurs. Je vous fais des bisous. Allez, des bisous. À plus tard. Allez, ciao. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me soutenir sur Utip.